devons faire face à l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire de notre pays. Qu'est-ce que votre coéquipier faisait là? J'en sais rien, on s'était séparés. Vous avez tué cet homme sans aucune raison! Vous êtes tueur de flics? Baissez votre arme! Ça fait quand même 4 décès en moins de 3 ans. Oui, madame, je suis un bon tireur. Vous savez parfaitement que toute la ville est contrôlée par des bandes organisées, que la drogue fait circuler beaucoup d'argent. C'est pourquoi la police doit avoir des moyens renforcés pour pouvoir agir. Si vous me parliez de votre coéquipier... Les flics comme Andy et moi, on est les derniers remparts entre vous et la réalité d'un putain de monde qui se part en couille. La Nouvelle-Orléans est prête. À nous d'imaginer l'avenir, et surtout de savoir qui va la contrôler. On procède à un vote ? Dans la rue, je représente l'autorité et ils le savent. Je suis la loi. Vous avez tué un de nos agents. Tout ce que je sais, c'est que dans ce monde de la drogue où beaucoup d'argent circule, il y a toujours une spirale de la corruption. Chaque homme a sa limite, pas vrai? Le problème, c'est de savoir où elle se situe. Les fédéraux vous lâcheront pas. Vous croyez que la prison me fait peur? J'ai peur que vous n'ayez même pas le temps d'aller en prison. Les gens sont fatigués de toute cette violence, fatigués de cette ville qu'ils ne reconnaissent plus. Le premier enculé qui nous menace, je le pulvérise. Ça va être l'enfer là-dedans. On ne vous reprochera rien si vous dites la vérité. Je ne sais plus la signification de ce mot. Une fois que je suis dans la rue, personne ne peut contrôler ce que je fais. Aucun juge, aucune cour. C'est ma ville, Stan.